Et quoi là tout le monde? C'est right. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit Rayton Time parce que ça fait un mois que je n'ai pas fait et qu'il faut en faire un temps en temps. Et du coup notre Rayton Time, bien sûr je vais répondre à vos commentaires et aussi aux questions un peu what the fuck qui m'ont été posées. Donc on commence maintenant. Putain la vidéo elle part déjà en couille alors j'ai à peine commencé. Première question, joues-tu à d'autres MMORPG? Alors je suppose que tu entends que je joue que au MMORPG World of Warcraft. Et c'est le cas parce qu'en fait le truc c'est que j'ai testé DC Universe, j'ai testé Star Wars The Republic, j'ai testé... quoi d'autre, il y a eu Guild Wars aussi. Et dans tous ces MMORPG je n'ai jamais trouvé la sensation que j'ai quand je joue à World of Warcraft. Et du coup, il n'y a que World of Warcraft, c'est mon MMORPG préféré. C'est mon jeu préféré en tant que MMORPG bien sûr. Bonjour Rayton, je souhaiterais savoir ton compte Twitter. Si tu en as un. Eh bien oui j'en ai un parce que tu m'as fait penser que je n'avais pas de compte Twitter. Alors du coup je m'en suis créé un. Et donc le voici, je vous le mets ici. Donc n'hésitez pas à les follow, hein, ça aiderait beaucoup. Donc c'est mon premier compte Twitter, alors soyez indulgents si je tweet n'importe quoi, c'est normal. Parce que je suis un débutant dans le monde du tweet. Je sais pas si ça existe. À quand ton prochain live sur Twitch? Alors quand tu dis live, je suppose que tu dis live parce que... voilà. Et sur Twitch, bah alors en fait le truc c'est que en ce moment je suis pas mal occupé parce qu'en ce moment j'ai un stage, j'ai l'école et j'ai YouTube. Et YouTube me prend déjà pas mal de temps, le stage aussi. Et du coup, j'ai pas forcément le temps le soir quand je me connecte de forcément me dire il faut que je stream sur Twitch. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais planifier quelques lives de temps en temps tous les mois, genre quelques lives, genre 5 ou 6, mais pas plus parce qu'après ça devient un peu trop compliqué. Et puis je sais pas, je me sens plus à l'aise sur YouTube avec le montage et tout, avec le dynamisme parce que là, c'est vrai que tenir 5 heures à parler comme je fais maintenant sur Twitch, c'est pas la même limonade. La limonade. Glou glou quoi. Salut Rayton, as-tu l'intention de continuer ta série sur Vanilla, sur WoW Vanilla? Alors oui, j'ai l'intention de continuer cette série, oui, 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 mais le problème, c'est qu'évidemment, eh bien, il y a des problèmes, sinon ça serait beaucoup moins drôle. Le truc, c'est que WoW Vanilla, c'est une série qui demande beaucoup de temps au niveau du tournage et au niveau du montage, mais le truc, le problème... c'est que WoW Vanilla, le truc c'est que il me faut beaucoup de temps et comme je l'ai dit, stage, école et tout, bah, ça prend beaucoup de temps. Du coup, pour revenir sur WoW Vanilla, il va falloir attendre un peu. Donc je sais pas trop combien ça va mettre de temps, mais je dirais une ou deux semaines. Et franchement, vous inquiétez pas, WoW Vanilla ça reviendra un jour sur la chaîne, vous inquiétez pas, y'a aucun problème. 3, 2, 1 et quoi tout le monde, c'est Rayton pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Je te retrouve pour un nouveau guide et blablabla, guide DPO. Putain mec, il a dit exactement tout ce que j'ai dit dans le let's play. Oui, c'est vrai que je parle vite, mais c'est normal parce que moi je préfère une vidéo dynamique qu'une vidéo très lente. Là on va s'ennuyer parce que du coup, je pourrais sinon faire des vidéos comme ça en mode et bienvenue tout le monde, c'est Rayton pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Rayton. Non, moi je suis dynamique parce que je trouve que une vidéo dynamique a beaucoup plus de charme qu'une vidéo très lente. Ça c'est mon goût personnel, après ça dépend quoi. Yo Rayton, j'ai joué à WoW grâce à toi, continue comme ça. Désolé pour le prénom, c'est quoi son prénom? Joke. Il y en a franchement, il devrait changer de nom de famille ou quitter le pays, je sais pas. Le mieux pour toi c'est de quitter le pays. Prends la porte, mec. Mais je suis quand même t'as fait découvrir World of Warcraft, parce que c'est vrai que c'est un très beau jeu. Quel est le nom de ton école? Par Mob Grip. Alors, le truc, c'est que je vais pas dire le nom de mon école, parce que je pense que je vais avoir des problèmes. Et si tu veux le nom de mon école, c'est-à-dire que tu penses que je suis bête, et je suis d'accord avec toi, parce que oui, c'est quand même n'importe quoi. Et mais, si je devais te résumer mon école, c'est... cantine, bouf, permanence, cantine... et je pense que c'est tout, donc je vais pas donner le nom de mon école. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises. N'essaie pas de le tam, le bronto. Tu parles trop vite, c'est pas un raptor. C'est ton PC qui est nul. Pas donner des baies manuellement. Tu n'es pas très fort sur Arc. Putain, le gars, il me déteste. Je sais pas pourquoi tu regardes mes vidéos, mec, hein, parce que si tu regardes toutes mes vidéos pour me clasher, mais va-t'en, mais... pas de ce côté, je sais pas, mais fais quelque chose, mais prends une bouteille, fais Rubik's Cube, je sais pas. Putain, celui-là il est long. T'aimes les nems, chien ou chat, alliance ou horde, raclette ou fondu, varian ou bramash. Et PVE ou PVP. Waouh. Déjà, ton commentaire est assez long, donc merci d'avoir pris le temps d'écrire cette question. Et t'aimes les nems, oui, chien ou chat, à cuisiner, je sais pas, je dirais chien. Alliance ou horde, je dirais alliance. Raclette ou fondu. J'aime pas trop le délire avec le fromage et tout, donc aucun des deux. Varian ou fromage, Varian, PVP, et Kiss. Es-tu un reptilien Illuminati? C'est pas assez clair pour toi? Mais pourtant, c'est dans toutes mes vidéos! Il y a 6 lettres dans Rayton. Rayton a un téléphone acheté chez Orange. Il y a 6 lettres dans Orange. Il y a 6 lettres dans chaîne. Rayton a une chaîne YouTube. Rayton serait-il un Illuminati faisant des placements de produits pour Orange sur sa chaîne pour promouvoir l'ascension de Donald Trump? Il y a 6 lettres dans Donald. Rayton a déjà regardé le dessin animé de Donald Duck? Donc Rayton serait un Illuminati faisant des placements de produits pour Orange sur sa chaîne pour faire grimper Donald Duck?
Coïncidence, je ne pense pas. Presque la même intro que Siphano. Alors, je tiens à dire que mon intro est sortie 3 jours avant celle de Siphano. Coïncidence, je ne pense pas. Mais, c'est vrai que ça se ressemble. Je ne le nie pas clairement, ça se ressemble. Donc, je pense pas à changer d'intro avant quelques temps, parce que c'est vrai que même moi, elle me plaît. Mais, si tu poses la question, ça veut dire que tu penses que je l'ai plagié. Mais moi, je dis, c'est Siphano qui m'a plagié. Et je vais vous le prouver. Siphano, viens ici. C'est vrai que j'ai plagié Rayton. Beaucoup. Voilà. Tu sais, vraiment cool. Vous voyez, c'est même lui qui le dit. Quand fais-tu une vidéo sur Ark? Alors, je vais répondre à cette question parce qu'elle est très simple finalement. J'ai beaucoup de commentaires qui me demandent Rayton, c'est quand que tu fais une vidéo sur WoW, quand tu fais une vidéo sur Ark, quand tu fais une vidéo sur Yandere Simulator. Et franchement, ce genre de questions, bah, elles me plaisent, mais moyen. Franchement, je suis un peu comme ça hein, quand je regarde ce genre de questions. En fait, je vous explique. Le truc, c'est que si je fais une vidéo sur un jeu, c'est pas parce que la communauté forcément la demande à mort, pas forcément parce qu'elle fait le buzz, pas forcément parce que je sais qu'elle va ramener les vues et les abonnés, et la YouTube Money bien sûr. Non. Si je fais une vidéo sur un jeu, c'est parce que ça m'amuse. Je préfère attendre et faire une vidéo sur un jeu qui est vraiment bien que faire des vidéos, me forcer à faire des vidéos tout le temps sur un sujet parce que vous aimez, et aussi parce que du coup après ça me force à faire des vidéos et je sens que le style va se dégrader au final. Genre imagine que je me force à faire une vidéo par exemple que sur Ark, et bah ça se trouve au bout d'un moment ça va me saouler, et si ça me saoule, bah j'aurai plus aucune passion, vous allez pas aimer, et ça va être très décevant du coup pour tout le monde. Et je pense que le mieux c'est d'attendre de faire une bonne vidéo sur un jeu quand j'ai vraiment envie de le faire, que me forcer à faire tout le temps des vidéos. Et en fait d'ailleurs un autre truc qui m'énerve, c'est que sur ma chaîne j'ai remarqué qu'il y a pas mal de communautés. Il y a la communauté avec que les joueurs WoW, que la communauté avec que les joueurs Ark, que les joueurs Yandere. Et moi je me dis, pourquoi? Non mais pourquoi? Plage à Cyprien. Non, en fait, je voulais vous demander pourquoi, parce qu'en fait, je me demande pourquoi vous voulez vous stigmatiser, pourquoi vous voulez pas regarder un peu d'autres jeux de temps en temps sur ma chaîne, parce que ça se trouve, vous ferez des très belles découvertes de 1, et ça se trouve, vous allez beaucoup rigoler. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas le jeu, il y a moyen de bien s'amuser. Alors, je dis pas que toutes mes vidéos, c'est des crises de rire, de l'euphorie. Non, moi, ce que je dis, c'est que mes vidéos, franchement, il y en a certaines que je trouve superbes, mais que personne regarde, parce que c'est un sujet qui intéresse peu de monde. Et c'est vraiment triste pour moi et pour vous. Je sais que certains viewers, quand ils voient pas par exemple, une vidéo, d'un jeu qu'ils aiment bien sur ma chaîne, et ben il ressemble à ça. Toute l'arme et tout, comme ça. Et moi, je me dis un peu, mais pourquoi? Pourquoi ça vous tenterait pas de regarder un peu d'autres vidéos de temps en temps sur ma chaîne? Parce qu'elle est vachement basse ma chaîne, il y a plein de jeux dessus. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Donc pour répondre à la question finalement, oui, je ferai des vidéos sur Yandere. Oui, je ferai des vidéos sur Ark. Oui, je ferai des vidéos sur WoW. Oui, je ferai des vidéos sur tous les jeux que j'aime jusqu'à la fin. De ma chaîne YouTube, parce que c'est ce qui m'éclate. La chaîne YouTube, elle m'éclate vraiment. Genre cette vidéo, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, enfin, techniquement. Et c'est celle qui, je pense, m'a éclaté le plus cette semaine. Et je suis super content de la faire. Chaque fois, j'arrête pas de rigoler tout le temps. Vos commentaires, ils sont trop drôles. Du coup, tout le monde, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, je suis ultra content de l'avoir faite. Ça m'a vraiment fait rire. Vos commentaires, ils sont vraiment géniaux. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de commentaires qu'avant. Je sais pas pourquoi vous êtes ralenti. Vous voulez plus me laisser de commentaires. Pourquoi, je sais pas. Mais n'oubliez pas que ma chaîne, bah du coup, elle va continuer. Et je suis vraiment super content parce que vous êtes de plus en plus sur ma chaîne. Donc, merci tout le monde déjà de 1. Voilà, comme ça, de 1. Et franchement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, surtout cette vidéo-là. Si vous avez des questions, qu'elles soient what the fuck, qu'elles soient sérieuses, et bah n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et j'y répondrai la prochaine fois. Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu qui fera plaisir. Et n'oubliez pas du coup le commentaire et de vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rayton. Ciao!